Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Momo. Donc pourquoi Momo m'a ajouté, comme vous le voyez, il y a 13 minutes. Et du coup moi je me dis c'est assez bizarre, j'en parle à Vadrial. Donc vous voyez son truc là juste ici. Sa chaîne YouTube sera en haut à droite tout simplement. Il va sûrement faire une vidéo aussi dessus parce que elle aussi, elle l'a contacté. Du coup n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. Du coup il me dit n'hésite pas à lui parler et tout, ça peut être vachement sympa et tout. Surtout que ça marche pas mal en ce moment sur YouTube, ça pourrait être cool. Du coup on va voir ce que ça donne, on va lui parler. J'ai vu qu'elle m'a envoyé un message, je sais pas ce que c'est. Du coup on va voir ça tout de suite. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Du coup les petits potes, on se retrouve sur Momo tout simplement. Elle m'a envoyé un message sur Twitter, du coup je me dis c'est assez chelou. Et puis elle me suit, du coup je vais voir son profil. Et je vois qu'elle a un abonné, sa mine n'a pas encore d'abonné. Du coup moi j'étais assez sceptique par rapport à ça. Et là du coup je vais dans ses abonnements. Et là je me rends compte qu'elle est qu'abonnée à moi et à Fortnite. Du coup bah je suis allé dans mes messages, tout ça, elle était en demande et tout. Bref, j'ai accepté sa demande et j'ai un petit peu parlé avec elle pour voir si c'était intéressant ou pas de faire une vidéo. Parce que si elle me disait salut, je suis un abonné, c'est un fake, super, super intéressant, moi je voulais du contenu, tout ça. Du coup je vois qu'elle met salut, du coup tu voyez elle m'a dit salut, du coup je lui dis salut. Et elle me dit j'ai vu que tu étais abonné à Fortnite, je voulais savoir si tu y jouais. Du coup bah déjà elle a mis un petit peu de temps à répondre comme vous voyez. Et elle m'a dit oui mais je suis pas venu pour ça. Alors moi dans ma tête je me dis mais alors pourquoi pourquoi t'es venu? Viens, on parle sur le jeu. Du coup, je pense qu'elle veut me dire des choses sur le jeu, alors je sais pas du tout. Et après, du coup, je lui demande de me passer son pseudo, tout ça. Et c'est Momo Fortnite. Et du coup, je lui demandais si elle pouvait m'accepter. On va voir si elle m'a accepté. Tout à l'heure, elle m'avait pas encore accepté. Donc, dans ma liste d'amis, alors pour l'instant, non. Momo Fortnite. Oh, les gars, elle m'a ajouté. Yes. Du coup, elle m'a ajouté. Du coup, je lui demandais. Attends. Tu veux faire. Merde. Tu veux faire une game? Les gars, peut-être qu'on va faire une game avec Momo. Allez, faire une game. Oh les gars, si on fait une game avec Momo, ce serait tellement énorme. Donc, elle a pas vu. Elle avait vu le message, tu peux m'accepter, mais elle avait pas répondu. Ah bah, en fait, c'est qu'elle m'avait ajouté. Bon, du coup, les gars, on va lancer Fortnite juste après. Par contre, vu que mon PC bug un petit peu tout ça, je vais relancer. Je vais vous mettre quand on sera directement sur l'interface, ok? Et on va essayer de parler un petit peu avec elle, là, parce que c'est vrai que c'est assez chelou. Vraiment, je m'attendais pas ce matin. Ce matin, les gars, elle m'a ajouté comme ça. Et du coup, je lui ai demandé si on peut faire une game et j'attends sa réponse et après on se lance directement sur le jeu. Du coup, les gars, on voit que Momo est en train d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous envoyer? Oui, j'ai bien envie de parler. En plus, tu es super gentil et j'aime bien ton chien. What the fuck? Mais d'où elle sait que j'ai un chien? Qu'est-ce qu'il fait? Jérémy court à me parler là sur LDLC. Facebook, c'est ma vie privée. Qu'est-ce que ça se fait? C'est abusé. Oui, j'ai bien envie de parler. En plus, tu es super gentil et j'aime bien ton chien. D'où tu sais que j'ai un chien? What the fuck? Dis chez Pekka, dis chez Pekka, elle comprend. Elle va jamais comprendre d'où tu sais que j'ai un chien. Hop là. What the fuck? Bon les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on va l'ajouter sur Fortnite, on va essayer d'aller jouer avec elle. Bref, je lui envoie. Allez, pour répondre, ça bat les couilles du chien. Pierre, là, je sais que j'ai un chien. Je m'en bats la race, allez. Allez, viens sur Fortnite. Bon, les gars, on va attendre qu'elle réponde là. On va attendre qu'elle réponde. Du coup, les gars, on voit qu'elle est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'elle va. Oui, j'arrive. Donc bah les gars, go à Fortnite, c'est parti. Tac, je vais lancer le jeu dans quelques instants. Je vous dis tout de suite quand le jeu sera tout lancé. Allez, c'est parti. Du coup les gars, je me suis retrouvé sur Fortnite tout simplement. Et bah je l'ai ajouté, tout ça. Et là je vois qu'elle est tout simplement en ligne. Du coup je vais l'inviter. Je vois qu'elle est que dans la base pour l'instant. Donc j'espère qu'elle va vite rejoindre. Donc les gars, on va attendre qu'elle nous rejoigne. Et dès qu'elle nous a rejoint, bon, on va parler. Les gars, j'ai hâte de voir. Peut-être qu'on va faire une game avec elle, ce serait énorme. En tout cas, j'ai hâte de savoir surtout pourquoi elle m'a ajouté et qu'est-ce qu'elle veut faire avec moi. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, on va attendre simplement qu'elle nous ajoute et on se retrouve tout à l'heure. Ah, les gars, Momo est en ligne. On la spam. Allez, Momo. C'est tellement satisfaisant comme bruit. Les gars, attendez. Hein? On peut rejoindre le groupe, les gars. Attendez, les gars, je vais rejoindre le groupe, ce sera plus simple. Oh, les gars, cherche-moi Momo, mais le skin Bambi. Les gars, Momo, elle. Pourquoi. Ah merde, les gars, je peux péter avec ce clavier. Pourquoi tu m'as ajouté? Les gars, j'ai demandé pourquoi elle m'a ajouté. Et pourquoi tu m'as ajouté? Momo, rejoins le groupe, les gars. Les gars, je crois qu'elle peut pas parler. Elle a pas l'air de pouvoir parler, malheureusement. Ah, dommage. Elle peut pas parler. Alors pourquoi elle m'a ajouté, j'en ai vraiment aucune idée. Hein. Après les gars, elle a le skin Bambi, alors je sais pas du tout. Momo, j'ai quelque chose à te dire. Attends. Elle a quelque chose à me dire. Ah ouais, on voit beaucoup mieux le chat comme ça. J'ai quelque chose à te dire. Ah bon quoi?
Ah bon quoi? Les gars, je pense qu'elle peut, elle peut pas parler en fait. Les gars, je pense qu'elle peut pas parler, soit elle a pas de micro, soit... J'en ai vraiment aucune idée, elle m'a rien dit là-dessus, peut-être qu'elle veut pas qu'on entende sa voix aussi. Alors, attendez. Par contre, elle entend ma voix du coup. Fortnite. Les, attendez, les gars, du coup, les gars, j'ai écrit sur un petit papier, les gars. J'ai écrit Fortnite, c'est bon. Là, je viens de l'écrire, Fortnite, c'est bon. Hop là, j'ai écrit sur un petit papier. Quoi, Fortnite? Qu'est-ce qu'il... Yeah. Les gars, excusez-moi encore une fois pour les fautes de français, tout ça, tout ça. Je suis pas un prof, hein, comme je l'ai déjà dit. Voilà, j'ai jamais été bon en français, je le serai jamais, voilà, tout simplement. Du coup, faut pas m'en vouloir pour qu'il y ait des fautes, tout ça. Et puis, on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est le fond de la vidéo, tout ça, tout ça. Déjà, elle m'a dit Fortnite, les gars. Du coup, je note les mots, comme ça, on sait jamais à la fin si ça peut donner quelque chose. J'en ai vraiment aucune idée. Fortnite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vas-y, est-ce qu'elle va répondre? Est-ce qu'elle va faire la mitroglou, les gens? Elle fait la mitroglou à pas vouloir... Ah, méta. Attendez, les gars. Qu'est-ce qu'elle a, les gars, la méta? Du coup, les gars, attendez, on va écrire méta. Mais voilà, les gars, j'ai écrit méta sur le papier. Tac, on va remettre là-dessus le chat. Voilà, les gars, qu'est-ce qu'elle a, la méta? What the fuck? Et faites voir les gars, Momo, mais Momo les gars, c'est un gros noob les gars. Il a pas le pass de combat. Non, c'est un gros noob. Mitraillette. Ça veut dire quoi ça les gars? Mitraillette. Attends. Attends les gars, tu n'aimes pas les frais, elle t'empêche de faire quelque chose? Genre je sais pas les gars, on a l'impression que... Genre la nouvelle... Attendez... Fortnite, méta, mitraillette... Les gars, je crois bien qu'on tient à quelque chose les gars. Que là, en ce moment, le Fortnite, la méta, la mitraillette, tout ça, ça a l'air de la déranger Momo. Momo elle est contre ça j'ai l'impression. Momo elle a un problème avec ça, regardez comme on peut le voir. Du coup je lui ai demandé pourquoi les mitraillettes elles t'empêchent de faire quelque chose, j'ai l'impression que... Genre, pour elle, il y a un problème avec ça. Donc, Fortnite, méta, mitraillette. J'ai hâte de savoir le fin fond de l'histoire. Bon, par contre, la musique, là, elle me pète les couilles, là. Ah, non, musique. Alors, elle est où, la musique, là? Je l'enlève. Elle fait la mitroglout, la musique. Ah, putain. Ah, Momo, les gars. Saison. Oh, les gars, je remets qu'on tient quelque chose. Fortnite, méta, mitraillette, saison. Ah putain, je peux pas écrire avec ce clavier, ça me saoule. Ça te gêne en quoi? Parce que les gars, je crois que j'ai compris. Allez, comme on peut voir sur le papier, il est écrit Fortnite, méta, mitraillette, saison. Si on réfléchit un petit peu, ça voudrait dire que Fortnite, la méta, la mitraillette, cette saison-là, eh ben, Momo, ça a pas l'air de lui plaire du tout. Momo, elle doit avoir un problème avec ça, et je sais pas du tout ce que ça peut être, j'en ai vraiment aucune... Et du coup, je lui demande, du coup, ça te gêne en quoi? Parce que franchement, bon, les gars, ok, là, ils ont fait pas mal de patchs en plus ces derniers temps, donc je sais pas trop ce qui se passe. Donc, on va attendre qu'elle réponde. Alors, Momo, elle fait la grosse à pas répondre, les gars. Elle fait la grosse. Ça te gêne en quoi? Bon, les gars, on va attendre qu'elle réponde, hein. Enfin, ou qu'elle réponde en fait, parce que bon, je sais pas si c'est un gars ou une fille, hein. Ah, Momo, elle top 1. Attends, je vais demander, les gars, on va lui demander si elle a déjà fait un top 1, parce que déjà vu qu'elle est le skin Bambi. Ah, tu as déjà fait un top 1. Attends, les gars, on va pas lui demander directement si elle a fait un top 1, on va lui demander, tu as combien de KD? Qu'est-ce qu'il fait là, Tom le BG, à rejoindre là? Allô, de rien du tout, là, tu me déranges dans ma vidéo, je suis avec Momo, mais je suis avec Momo. Ah non, c'est pas une game, les gars, je suis en train de parler sérieusement avec Momo, parce que Momo m'a ajouté, et du coup, je sais pas du tout qui c'est et tout, et donc je dois savoir la personne que c'est. Du coup, si ça te dérange pas, là, je dois... Parce que, en fait, je suis en train de mener une enquête, tout simplement, pour savoir... Mais c'est pourquoi tout le monde qui rejoint, là? What the fuck? Mais Momo, les gars! What the fuck? Et Momo arrête d'inviter les esprits avec nous. Mais... What? Les gars, on va le rendre muet.
What the fuck, les gars? What? Alors, attendez. T'as combien de KD? Ma prophétie est... Attends, ma prophétie est en cours. What the fuck? Je comprends plus rien, les gars. Les gars, il y a tout le monde qui a rejoint d'un coup. Là, il y a ma prophétie est en cours. Ah, je comprends pas tout, les gars. What the fuck? C'est quoi, ce délire? Attends, je vais demander, les gars, si elle a déjà fait top 1. As-tu déjà fait top 1? Les gars, on va lui demander si elle a déjà fait top 1. Mais qu'est-ce qu'il fait Onyxor, là? Les gars, j'arrive pas à comprendre. Ah non, c'est bon. What the fuck, les gars, Momo, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous jure, la vie de ma mère, que... Je pensais même pas qu'il y a des mecs qui allaient rejoindre. T'as vu, il y avait un français, le mec qui parle comme ça. Mais genre, what, il vient d'où? Et le mec, il... J'ai pas tout compris, les gars. As-tu déjà fait top 1? Du coup, je lui ai demandé. Elle était exclue du groupe. Ah, what the fuck, Momo, il a exclu... Alors les gars, j'avoue, je comprends rien, parce que regardez, mon groupe, il est fermé. Hein. Mon groupe, il est fermé, attendez. Comment on fait pour montrer les groupes fermés? Ah non, il est ouvert. Il est ouvert, mais je sais même pas. En fait, c'est pas des amis à moi, en tout cas. Hein. As-tu déjà fait top 1? Wow, putain, oh. Tête de gland. Putain, elle fait chier à pas répondre. Oh, putain, je vais me faire insulter. Gland, c'est écrit comme ça. Les gars, pourquoi Momo est parti? Waouh! Mais Momo, qu'est-ce qu'elle branle? Allez, les gars, on va lui demander. As-tu déjà fait top 1? What the fuck? Bon, après, je comprends. Peut-être que si elle vit dans une cave, les gars, il y a peut-être pas trop internet là-bas, ok? Non, mon cher. Les gars, ce que je. Attends. Ce que je vous propose, c'est qu'à 1000 pouces bleus sous la vidéo, 1000 pouces bleus. Je fais une game avec Momo et je lui offre son premier top 1. Ok? Là, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'ai vu assez de choses entre les messages qu'elle m'a envoyés, les mecs qui viennent comme ça à l'improviste, les mecs qui repartent mais sans rien dire et tout. Momo qui m'a donné, du coup, les gars, Fortnite méta mitraillette saison. Ce qui voudrait dire qu'en fait, Fortnite, en fait, la méta de Fortnite avec la mitraillette, tout ça, n'arrange pas du tout Momo. Elle a du mal à faire top 1. Du coup, les gars, à 1000 pouces bleus, j'offre à Momo le top 1. Et voilà, voilà. Du coup, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine et j'espère vraiment faire un deuxième épisode sur Momo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, c'était Cocteau. N'oubliez surtout pas la chaîne de Vadrial qui est en description ou dans le petit haut en haut à droite. C'est lui qui m'a donné l'idée de la vidéo. Allez, peace. We'll be right back.